Hey Kyodelis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui je rentrais tranquillement du taf et comme tous les jours je vais à la boîte aux lettres, il y avait des cartes que j'avais commandées, il y avait quelques petites factures un peu reloues et il y avait ça. Alors ça c'est quoi? C'est tout simplement un colis d'abonnés, un abonné qui s'appelle José, avec qui j'ai discuté un long moment et c'est quelqu'un d'adorable, de formidable. Il a décidé de m'envoyer un colis pour me remercier de quoi? Me remercier de l'avoir fait rejouer à Yu-Gi-Oh! Donc moi c'est ce qu'il m'explique dans ses messages. On est nés tous les deux en 96, donc ça nous a fait un petit sujet de discussion. Team 96 représente, big up à tous les potos de 96 et des années 90 qui regardent mes vidéos. Et du coup j'ai reçu ce colis là aujourd'hui, je me suis dit, le geste est tellement beau, je trouve ça tellement cool de pouvoir partager tout ça avec vous, d'avancer dans mes projets grâce à vous, de faire grandir ma chaîne grâce à vous, qu'on va l'ouvrir en vidéo. J'ai vraiment pas grand chose à vous dire de plus. Si ça vous plaît, votre abonnement, votre pouce, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on passe sans plus attendre à la deuxième caméra et on se déballe tout ça. Pour info, je sais plus ou moins ce que c'est puisqu'il m'a parlé de carte OCG, mais je ne sais pas du tout ce qu'il contient exactement. C'est parti. Donc, on a la petite boîte. C'est giga bien emballé. Ok, c'est vite. Tac. Alors, il y a un petit mot. On va checker ensemble le petit mot. Salut, petit cadeau pour finir ton travail. Continue comme ça, José, la team 96. La team 96, frérot. PS, petit plus sous top et les sleeves jaunes. J'espère que ça te fera plaisir. Ok. Donc là, il y a quelque chose sous top loader. Ok. Alors, je vais essayer de. C'est quoi le top loader? On le regardera à la fin. Est-ce que je peux? Ok, ça s'ouvre comme ça. Ça marche. Tac. Donc là, on a des cartes. Ok, ça s'ouvre plutôt bien. Ça marche. Tac. Alors, c'est un élastique, mais c'est un élastique très léger. Et je viens de voir ce que c'était. Putain, c'est giga beau. Et j'ai prévu de faire une vidéo sur ça en plus avec Bridou OCG sur Instagram. Allez le follow et je mets son lien dans les commentaires. Il y a une vidéo qui arrive avec lui très très bientôt. C'est simplement des cartes OCG, mais putain, mais regardez-moi ces raretés, elles sont pas incroyables. Ça fait plaisir, hein, c'est de la carte emblématique, ça. C'est de la carte emblématique. Waouh, putain, le magicien, il fait plaisir, le petit crâne invoqué, regardez ça. Il est vraiment super beau. Cette rareté-là est incroyable, le petit paladin des ténèbres. Oh, je vais tellement les mettre sous sleeve et tout, ça me fait tellement plaisir. J'ai une petite collection de cartes OCG, mine de rien, je vous en parle pas souvent parce que l'OCG, je sais que ça vous passionne pas plus que ça. C'est vraiment quelque chose, genre, ça me plaît. Tu vois, genre, si j'en ai, je les garde et je les conserve parce que c'est cool, quoi. Petit Alakan qui est magnifique. Les petits zombies gobelins. Ah, j'ai mangé son nom, lui, c'est Ogre de la Forêt, quelque chose comme ça. Dites-moi dans les commentaires. Ah, mais même le. Genre, je sais pas si vous captez. Attendez, je vais vous montrer l'autre parce que celui-là, je vous l'ai montré. Oh, il y a un virus broyeur, il est tellement beau! Regardez ça, c'est même dans la rareté juste ici là. Oh, c'est tellement joli. C'est tellement joli. Donc ça c'est des cartes du 15e anniversaire. Vous savez, c'est la boîte noire qu'on n'a pas vraiment eu en France. Nous on a eu Dupo à la place, je crois que c'est ça. Petit virus. Juste magnifique à notre destruction. Ah, oh, un autre magicien. Oh, je sais pas si vous allez le voir à travers la carte. Regardez ça. Ah, oh, si vous le voyez là. Est-ce que c'est pas magnifique comme rareté? Ça s'appelle le Millennium Rare, il y a sachant qu'il y a Millennium Gold Rare, etc. Il y a plein de petites variantes, mais putain, c'est juste magnifique. Genre, je trouve que toutes les cartes, ça les rend tellement sublimes. Genre, il y a un petit peu un côté un petit peu mystique, du coup, qui se crée sur la carte. C'est juste une commune, finalement. Ouah, je viens de me spoiler, les cartes jaunes, elles sont trop belles. Ah, regardez ça, comme c'est beau. Petit plumeau de Damarpi. Ah, ça marche tous. Ah, mais attendez, il y a du genre de secret, en fait. Ah non, non, c'est la rareté qui fait ça. Et franchement, c'est un beau cadeau. Hein. Alors, ça, c'est pas vraiment une carte Toon, mais il y a marqué Toon World ici, donc ça me fait giga plaisir. C'est fou, je suis trop content. Putain, elles sont vraiment trop jolies, regardez ça. N'importe quelle commune avec ça dessus, ça y est, c'est une dinguerie, quoi. Oh, le petit Marauder Vorce. Et franchement, oh, attaque de magie noire, ça a trop de flow. Alors ça, c'est une rareté différente, parce que ça brille pas pareil. Non, ça c'est juste une commune, je crois, en fait. Ouais, c'est juste une commune. Mais la grave de flow, c'est un alien, je crois. Je connais pas cet alien-là. Je sais pas si on l'a en OCG ou en TCG. Ok, donc ça, du coup, c'est juste des communes. Enfin, c'est juste. C'est pas péjoratif, mais c'est des communes, quoi, du coup. Peut-être qu'il y a des cartes censurées. Je kiffe les cartes censurées, hein, vous le savez.
Oh, le petit XYZ, il est trop beau. Enfin, c'est pas XYZ, c'est XY ou quelque chose comme ça. C'est pas le monstre complet, quoi. Ah, elle, je pense sincèrement qu'elle, elle a été censurée. Genre, elle fait trop peur ici, ça a dû être censuré. Ça a été censuré. Truc de ouf. Parce que ça, on pourrait croire que c'est des tétons. Vraiment. Regardez vos cartes, vous verrez qu'il n'y a pas ce point-là. Le jean. Oh là 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 là. Mais regardez-moi cette dinguerie. Je vais les sortir de sleeve. Je fais attention. Oh là là. Elles sont tellement belles. Regardez ça un petit peu. Oh là là. Ça fait pas. Genre, j'ai pas l'impression d'être Yugi à ce moment-là. Genre, j'ai des cartes mystique dans les mains et quand je les brille et je vois des trucs que seul moi vois et tout, elles sont tellement belles. Elles sont tellement belles, je vais les mettre sous sleeve, je vais les remettre sous ces sleeves. Bon, et ben écoute, merci beaucoup José, ça me fait extrêmement plaisir. Ça sera une vidéo sûrement très très rapide. Oh, j'ai failli oublier le top loader. J'ai failli oublier le top loader, on va aller s'ouvrir le top loader. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça me fait extrêmement plaisir. Genre vraiment, peut-être que vous avez l'impression que je surjoue, je ne sais quoi. Attendez, je vais essayer de pas me spoil. Tac. Vous êtes prêts? Vous allez le découvrir en même temps que moi. Genre là, il n'y a pas de surjoue, quoi que ce soit, c'était vraiment scotché, je ne sais pas ce que c'est. Oh! Ah, jusqu'au bout, merci pour le watch time. Du coup. Hop, attendez, je galère un petit peu. Ça a été mis à l'envers. Je fais attention parce que du coup, il y a du scotch et tout. Ok, donc du coup, normalement, deuxième roulement de tambour. Est-ce que vous êtes prêts? Un alternatif en gold. Alors, pour le coup, autant le reste, c'est des cartes CG et tout, ça fait plaisir, mais c'est de l'OCG, tu vois, ça c'est du TCG. C'est une carte qui vaut 20 euros. Fallait pas offrir. Enfin, oh, ça me fait tellement plaisir. Je sais pas quoi vous dire. Vous êtes tout le temps comme ça. Vous êtes. J'ai vraiment une super communauté. J'ai des projets, certains que je pourrais vous annoncer très bientôt. Et vous me soutenez, pour ceux qui ont déjà compris ce que c'était. Et vous êtes là à m'envoyer des messages. Et vous êtes une putain de communauté. Vous êtes bientôt 7000. Vous vous rendez compte? Enfin, 7000. 7000. Enfin, 7000. C'est juste fou. Et je suis trop content de partager tout ça avec vous. Je vous embête pas plus. Cette vidéo sera déjà sûrement bien trop longue pour ce que c'était. Mais j'étais content de partager ça avec vous. On se retrouve normalement demain. Vous vous doutez pourquoi. Merci à José qui m'a envoyé ça. Ça me fait extrêmement plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collection de cartes. Et surtout à bientôt. Allez, ciao!